On va enchaîner avec Safran, le titre du groupe industriel et technologique français s'est envolé depuis le début de l'année avec près de 20% de gains. Le spécialiste aéronautique et défense reste dans un mouvement haussier. Ah oui, une lecture haussière particulièrement forte. Hein. Les récents soubresauts de marché ne l'ont pas affecté, pour le moins. Les cours ont juste effectué une consolidation intermédiaire définissant un support majeur aux alentours des 129. Hein. Ce niveau, qui a été testé à de multiples reprises au mois de mars, a permis un retour en fait des acheteurs matérialisés par l'ouverture de ce gap baissier. Les cours marquent maintenant de nouveaux sommets ascendants, poursuivant la lecture haussière en octobre, hein, qui ne donne absolument aucun signe de faiblesse. Progressivement, le titre devrait repartir de l'avant. Alors, ce n'est pas un mouvement extrêmement violent, extrêmement dynamique, mais c'est un mouvement qui semble particulièrement robuste. Les prochaines résistances sont à 141,80, 147,50, et puis le sommet aux alentours des 151 euros.